Salut, c'est Nicolas Lachance avec les Bébés Tarosaires. Je vous enseigne une nouvelle chorégraphie de moi-même et Stéphane Cormier, Mr. Lonely. On commence la danse avec la droite avec un heel strut. Je vais faire un demi-tour entre les deux pour faire un autre heel strut avec la gauche. Je dépose la gauche en heel strut. Ensuite, je vais faire un kick side touch. Puis je vais faire un autre kick side touch. C'est pas un kick ball touch, c'est vraiment kick side touch. Kick side touch. Avec les comptes, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. La deuxième série, c'est une ligne de côté, derrière, de côté, touch. Je vais faire un quart de tour avec ma gauche devant, un autre quart de tour avec ma droite de côté et je vais faire un shuffle avant en demi-tour, en direction vers l'avant, gauche, droite, gauche. Avec les comptes, on va faire simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La troisième série, ça fait step, lock, step, scuff, shuffle, side, rock, back. Avec les comptes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. La prochaine série, je vais faire des quarts de tour avec la droite devant, mais j'ajoute un hula hoop. Si vous savez comment faire un hula hoop, c'est juste un déhanchement plus en faisant une transversale du poids suivi d'un rocking chair comme grand-maman dans le temps. Rocking chair ou le purple man step pour grand-maman. OK? Fait que j'apprends ça avec les comptes. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la danse est terminée! J'y vais avec les termes et les comptes. 7, 8, heel strut, demi-tour, heel strut, kick side touch, kick side touch, de côté, derrière, de côté, touch, quart, quart, shuffle demi, step, lock, step, scuff, shuffle side, rock, back, hula hoop, et un purple man step pour un rocking chair. Avec les comptes, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.